bah écoutez, c'est de nouveau moi, Mathieu, le yeux de ces lieux, et je viens pour vous parler de février. Tout a commencé par le nouvel an chinois, parce que la voisine de la maman de Célia est chinoise, et avec toute sa famille, ils ont fait le nouvel an chinois. Et du coup, nous, comme on est super curieux, eh ben, on a voulu tester une vieille technique d'espionnage qui s'est révélée être fonctionnelle. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu ? J'espionne le voisin. T'as vu comment on entend ? La. C'est trop triste. On voit le gars à côté dans son appart tout seul qui chante comme avec les voisins. Il a une balle. J'ai pas compris. Et bah oui, le verre contre le mur, ça fait qu'on entend ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça fait de nous des gens un peu creepy, mais l'expérience est concluante, donc ça, c'est plutôt rigolo. Ensuite, en parlant d'expérience, Célia a acheté pour sa maman un petit jardin botanique d'intérieur. Du coup, on va planter de la menthe, du basilic, des mini tomates. Et avec de la lumière solaire à mettre dessus. C'est bien, hein? Donc je le verrai un peu plus haut. On va faire cuire. On va pas faire cuire. Menthe, tomate, basilic. Donc on a hâte de voir à quoi ça va ressembler maintenant. Ensuite, eh ben écoutez, qui dit mois de février dit solde aussi. Donc on est allé faire un petit tour à Lyon et on s'est fait plaisir. Moi, j'ai pas fait dans les soldes, mais j'ai acheté un des objets qui a révolutionné ma vie ces derniers temps, un kendama. C'est une sorte de bilboquet avec lequel on peut faire des choses un peu différentes. Là, évidemment, comme je vais vous montrer, je vais pas y arriver, c'est sûr. Hop. Ah bah si. Hop. 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 Et depuis qu'on a acheté ça, eh ben, on peut plus s'en passer avec Célia. À tel point que du coup, Célia arrêtait pas de me piquer le mien. Et depuis, elle a acheté le sien. C'est une de nos nouvelles passions. Et ça, c'est vraiment le feu, le feu, le feu, le feu. Ensuite, on est allé à Orange parce que Célia a décidé de passer le BAFA. Donc on a fait un petit road trip là-bas où on a fait une petite pause pique-nique à un endroit qui était franchement pas vilain. On a continué de jouer au Ken là-bas. Le petit lapin est entré dans la maison. Il a dévoré toutes les provisions. Il a mangé grand-père, il a mangé grand-mère. Il a mangé papa, il a mangé maman. Le petit lapin n'est pas vraiment un lapin. Il a de grandes dents et une dévorée. Et elle a passé son BAFA pendant une semaine là-bas et moi, bah, du coup, je faisais du montage, je prenais des photos, je m'amusais, je faisais des trucs. Ça a été une semaine assez productive pour l'un comme pour l'autre. Ensuite, on a enchaîné directement avec deux semaines de vacances en centre de loisirs. C'était deux semaines assez intenses. Célia a découvert l'animation, elle a découvert que c'était un travail vachement physique et on est éclatés. On se couchait tous les soirs à 22h, donc on était vraiment épuisés, mais c'était deux semaines vraiment trop cool. On avait une bonne équipe, on s'est bien marrés. Allez, ce soir, on s'éclate! Bienvenue au Mirador! Oh, quelque chose s'est passé en moi! Ah, il s'est passé quelque chose! Est-ce que tu as envie de faire comme là, moi j'ai envie de faire? Moi, on veut faire Guilly enfant! Guilly enfant! Guilly enfant! Allez, ça nous a pas empêché de travailler à côté les soirs sur la vidéo. Donc, on a fait un petit tournage pour mettre en avant un apéro rigolo. C'était juste pour s'entraîner à faire quelques images sympas, booster notre créativité, etc. On a aussi eu des rendez-vous clients au téléphone pour préparer des week-ends de tournage. Beaucoup d'échanges de mails avec d'autres clients pour d'autres périodes de tournage. Donc, ça a été un mois vachement chargé. On a eu assez peu de temps pour nous. On a un petit peu mangé des choses bien grasses et bien sale, ça nous faisait du bien après nos grosses journées de boulot où on était éclatés. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Et puis une dernière chose et pas des moindres, à la fin du mois de février, on vient tout juste de passer les 200 000 bornes chez Jackie. On était mais comme des dingues. Les 200. On va être obligé de s'arrêter. Oh non. Comment est-ce que ça va se passer? Oh non, le cycle. Oh, bon bah voilà maintenant les 300 hein. Donc c'est une vieille mémère, on est trop content d'avoir cette voiture dans laquelle on a déjà vécu quelques aventures, dans laquelle on a dormi et dans laquelle on espère encore vivre plein d'aventures. Voilà, j'ai fait le tour de février, encore une fois un petit mois bien dense, bien mouvementé et j'ai hâte de vous partager ce qui va se passer en mars. En tout cas en attendant, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Voilà, plein de bisous de ma part, de la part de Célia, de la part de ces lieux et puis on se voit le mois prochain pour les nouvelles aventures de ces lieux. Bim, badabim, bim, badaboum, je sais pas comment terminer cette vidéo en fait. Prenez soin de vous. Et on se voit très vite. La bise !